Bonjour, bienvenue et re-bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je te demande déjà de rester, de t'abonner, de liker parce qu'aujourd'hui on fait un watch day sur Twitch. On. Oui, je fais ça quand j'ai trop la flemme de détacher mes cheveux et d'avoir à l'aide des mêlées ensuite. Et que j'avais fait mes Twitch avant. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je commence par humidifier mes cheveux et avec mon mix d'huile dans mon flacon en bout, je vais venir tout simplement appliquer l'huile tout d'abord sur mon cuir chevelu. Ensuite, je vais super bien masser. Si tu demandes ce qu'il y a dedans, bah, c'est de l'huile d'ail, de lime, t'as aussi de l'huile de moutarde, de l'amande poivrée, du titri. Presque des trucs super top que mon cuir chevelu adore. Bien sûr, mes longueurs aussi. Tout simplement, après, quand j'ai fait ça, ben, j'emballe ma tête comme du couscous. Et je pose au feu dans le genre. Je vais recouvrir ça avec mon bonnet. Je vais poser ça pour 15-30 minutes. De 15 à 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Puis, je passe au shampoing. Le shampoing, c'est Orasoul. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de présenter le Orasoul? Le Orasoul, c'est une argile, une poudre qui est en fait un soin de lavant. Je concentre ça, bien entendu, beaucoup plus sur mon cuir chevelu. Ça doit être humide parce que le Orasoul, il durcit assez vite, sinon il va trop assécher vos cheveux et vous n'aurez pas le temps de l'appliquer partout, là où il faut comme il faut. Donc après, si jamais c'était un petit peu sec, je reviens en fait avec mon vaporisateur avec l'eau. J'asperge, ça mouille un peu et je peux tirer ça sur toutes mes longueurs. Faisant bien attention de masser le cuir chevelu bien, que ça absorbe toutes les impuretés, la saleté et tout ça. Je vais aussi en profiter et faire un petit masque de visage parce que j'adore ça. Ça te laisse la peau propre. Mais quand je dis propre, c'est propre. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Donc je profite, je mets mes yeux à l'abri et je fais bien mon masque. Vous pouvez même faire un masque corps entier en fait avec le rasoir. Et après vous avez juste bien hydraté parce que ça peut être un petit peu assez chaud. Après avoir rincé, on passe au masque. Je fais un premier masque au henné et si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo sur le henné il y a quelques mois. Pas d'huile dans le henné, après ça est super chiant à laver, à rincer enfin je veux dire. Donc le même procédé, d'abord sur les racines puis sur les pointes. Et je fais ça sur toute ma tête, je vais à nouveau masser bien le pied chevelu, emballer, faire très attention aux pointes. Et on laisse poser à nouveau 15, 30 minutes, 45 minutes plus si vous avez le temps. Mais moi, en général, je m'arrête à 30, 45 minutes maximum, une heure. Parce que j'ai pas trop envie de passer des heures là-dessus, tu vois. D'ailleurs, même toute ma routine, ça se fait en à peu près 2 heures. Donc, ensuite, le deuxième masque dont la composition va s'afficher à l'écran. Je sais, je te demande pourquoi les gens peuvent faire le bitacola, pourquoi tous ces trucs que je mets dans mes masques. Attends, mais je suis une sorcière chaudron, ça se sait depuis le temps.
Alors, la sorcière Choudron, bah, elle fait son truc, tu vois un peu. Donc, en fait, le bitacole a beaucoup de propriétés antiseptiques, ça a beaucoup de minéraux qui sont tout aussi bien. Genre, vraiment, je sais pas, j'ai pas le temps de vous expliquer. Peut-être que je te ferai un topo bien à part dessus dans une autre vidéo. Mais ça a tellement de propriétés, je t'assure, des choses qui valent la peine d'être appliquées sur les cheveux. J'en mange pas, mais j'en mets sur mes cheveux volontiers. Ça m'apporte beaucoup de bienfaits. Ça potentialise les effets de l'ail et du gingembre. Donc, personnellement, moi, j'aime bien. Malheureusement, j'ai pas d'études scientifiques dessus, de me demander dans mes sources. Mes sources, c'est mon ressenti quand je touche mes cheveux. Voilà. Dans ce petit flacon, tout ce qu'il y a dedans, c'est de l'huile d'ail, un macérat huileux d'ail et de gingembre. J'en mets sur mon visage comme base pour nourrir et je vais aussi appliquer ça sur mes cheveux. Bah oui. Et puis bien sûr, tu sais déjà que quand je finis de faire mes soins, je ne mets plus rien sur mon cuir chevelu. Donc tu vas quand même devoir appliquer ça sur mon cuir chevelu. Je suis la devanture et sur les bordures, même derrière. Tout simplement parce qu'en général, mon cuir chevelu ne supporte pas ça. Donc après mes soins, je ne mets plus rien sur mon cuir chevelu. Je le laisse vivre sa vie jusqu'au prochain jour de soins. Donc tout simplement, c'est ça qui va se passer. Après, je scelle l'hydratation parce qu'il faut savoir que quand je finis de rincer le dernier masque, je ne sèche pas mes cheveux, genre ultra sec. Je le laisse légèrement humide. Comme ça, quand je passe mon huile, ça garde, ça enrobe les molécules d'eau à l'intérieur de mes cheveux et je viens sceller après avec mon beurre, ma mousse, ma pommade capillaire, ma chantilly. Bref, tu peux donner le nom que tu veux, ça me dérange pas du tout. Et puis j'en profite maintenant pour retoucher quelques petites tresses qui font façon quoi. Donc là, ça me permet de gagner 2 semaines sur ma coiffure. Ne vous inquiétez pas, après je peux détacher, je démêle sans problème, genre quoi, allô quoi. Ouais, donc rapidement, je te rappelle la composition de ma petite pommade pour mes cheveux. Ça marche super bien. C'est un mélange d'huile de lin, de beurre de karité, de beurre de cacao et de miel. Ah oui, de miel. Ouais, donc tout simplement, je vais faire ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup, hein. Tu vas juste appliquer ça comme ça, légèrement tes cheveux. Run the fingers through your hair, let them live their lives, and then you'll be like, peace out. Que ça s'est fait, on va simplement hydrater le visage avec mon mélatrine de Ducray. Bien sûr, comme on est en journée, je bouge pas, je ne vais nulle part en SPF parce que le soleil n'est pas mon ami, sinon je me brûle. Donc tu connais la chanson maintenant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et bien sûr, on se dit à très vite dans une autre vidéo. Et bien sûr, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux pour commenter. Bisous. Ciao. Mouah.